Shit, damn it! What the hell was that? See? Stay calm. She had no choice. Shit, no! Fuck your protocol! Fuck those fucking monsters too! Listen to me, damn it! She just saved all our asses. She blew herself up to protect us. Yeah, but... Calm the fuck down! You would have done it too. Any one of us would. Cassie... Shit. It's Richard. Halsey. Where are they taking her? What the fuck is that? Steam. The pressure must have gone up because of the explosion. Maybe that could help. God, fuck. Je peux pas appuyer sur les trucs. Je vais pouvoir changer d'apparence, on est tout beau. Cramer tous les trucs. Aussi je prends une suspicion supprimée. Ouais. Rendez à quoi ça pouvait servir. Hein. C'est vrai qu'on en avait besoin en première partie. Ça bouge un petit peu sur le premier, celui que je tourne. Ça bouge énormément sur le celui du milieu. Donc là, ça fait de 8, je passe à 10, et l'autre de 0 à 2. Par contre, celui... En fait, là, le cadran, on va dire le 1 et le 3 bougent de la même manière. Par contre, c'est celui du milieu qui bouge beaucoup en faisant ça. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Celui du milieu bouge de 2. Celui, le 3 on va dire, bouge de 2. Et le premier, il a l'air de bouger de 4. D'accord. Là lui bouge de 2. Le 1 bouge de 4, celui du milieu de 6, passe à 12. Je pense qu'il faut marquer sur un papier chaque petite molette, on va dire la 1, la 2, la 3, à chaque fois qu'on la tourne, de combien ça fait bouger le cadran 1, 2 et 3. Pour, alors là où c'est pas forcément logique, c'est que normalement, souvent, dans tout ce qui est pression, il y a des vases communicants. Là, ça n'a rien à voir, c'est purement une histoire je tourne. D'un cran à molette, ça fait bouger l'intérieur de mon cadran. Alors, ça y est, j'ai identifié. Donc celui-là, quand je le tourne, en fait, le premier cadran, ça fait plus 2. Le deuxième, ça fait plus 6. Le troisième, ça fait plus 2. Celui-ci, quand je le tourne, le premier cadran fait plus 4. Celui du centre fait plus 2. Et le troisième fait plus 2. Et la dernière molette, elle fait plus 4 sur le premier cadran. Donc de 4, je passe à 8. Celui du centre, c'est plus 8, donc de 2 je passe à 10, logiquement. Plus 6, bravo Fred, tu t'es gouré mon garçon. Et le dernier cadran, je me suis mis plus 2. Ouais, donc là de 0, je passe à 6, et de 6 je passe à 12. Ouais, ok. Bah maintenant, en fait, en fonction de ce qu'on a à l'écran et de ce qu'on sait noter, on s'est dit par exemple, tourner cette manivelle-là va faire avancer en même temps le premier et le troisième cadran. Par contre, celui
qui est au centre va avancer plus vite. Parce qu'on a un rapport de 2 et de 6. Celui-là, c'est la même chose, mais avec le premier cadran qui avance de 4 et l'autre de 2. Et le dernier, c'est un 4-6-2. Il fait avancer plus celui du milieu et plus le premier. C'est lui qui... Lui, en fait, il est casse-pied, le troisième, parce qu'il... Il les fait pas du tout avancer de la même manière. À mon avis, il y a un moment donné... Voilà, là, le... Comment il s'appelle? Le deuxième cadran et le troisième sont ensemble. Avec celui-là, est-ce qu'il y a moyen de... Ah, ça y est, j'ai fait tout au max. Ouais. Et là, par contre, je peux plus y toucher, ok. Donc c'est ça qu'il fallait faire. Donc gardez cet esprit, première molette fait plutôt avancer plus vite le deuxième et les autres restent ensemble. Deuxième molette, c'est le premier cadran qui avance plus vite, mais le 2 et 3ème avancent en même temps. Et par contre, la troisième molette, elle fait tout bouger en décalage. C'est vraiment pas facile. Hein. Pression là-haut a pas l'air de respecter. Si je relâche la pression. It's starting again. Watch out. Not enough yet. Alors est-ce que je peux l'ouvrir, que ça me permettrait d'avoir plus de... It's starting again. Watch out. Not enough yet. On va l'ouvrir. Ah, on dirait que la pression a augmenté. On voit que la jauge, il reste quelque chose. Et alors, j'ai cherché pendant des heures, et je pense que c'est pas un bas mot, avant de trouver... Et j'ai regardé, je me dis, mais merde, je vois aucun tuyau de vapeur. Et chose que j'ai jamais fait, c'est déplacer ces armoires. Alors, il n'y a pas spécialement d'intérêt, parce que c'est pour libérer l'accès... Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, mon dieu. Voilà la vapeur qui me manque. Je pense que là, ça devrait pouvoir faire dégager notre... point de non-retour. Bon, si on essaye de passer, on se fait scanner, on se fait tirer dessus. Hein.